Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonsoir Séverine, bonsoir Nathalie, bonsoir Céline. Je vous laisse arriver. Bonsoir Gigi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'après-midi hier. Après ce magnifique live, vous avez été adorables tous autant les uns que les autres. Bonsoir Christelle, bonsoir Aude, bonsoir Annie, bonsoir Sandrine, bonsoir Nathalie, bonsoir Françoise, bonsoir Fabienne. Bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être pour la première fois. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou en arrivant. Sinon, moi je m'appelle Sandra, je suis démonstratrice dans le 78, donc j'habite la ville de Plaisir, dans les Yvelines. Je suis démonstratrice Stamping Up et donc je ne vais vous montrer que des projets réalisés avec les produits Stamping Up. Bien entendu, vous pouvez les réaliser avec ce que vous avez chez vous, il n'y a pas de souci. Et concernant vos achats de matériel, n'hésitez pas à passer directement par ma boutique en ligne ou tout simplement en essayant de me joindre si vous avez besoin. Je vois qu'il y a encore du monde qui est arrivé. Bonsoir Véronique, bonsoir Laurence, bonsoir Marie-Noël, bonsoir Fabienne. Bonsoir Viviane, bonsoir Andy, bonsoir Virginie, bonsoir Estelle, coucou Christelle, je vais bien, je te remercie. Bonsoir Ophélie. Ah oui, Nathalie t'attendait 14h. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. 14h, c'est bien aussi. Alors ce soir, nous allons réaliser, bonsoir Eliane, un panier pour Pâques. Alors en fait, je me suis posé une petite question par rapport à Pâques. Vous le voyez comment? En fait, moi pour Pâques, niveau chocolat, il faudrait que je mange ce qu'il y a dedans. Vous voyez, ce format-là, pour bien faire. Il faudrait que je sois très raisonnable et que je mange un petit chocolat. Bonsoir Estelle, bonsoir Catherine, bonsoir Isabelle, bonsoir Ghislaine, bonsoir à tous et toutes. Donc voilà, moi je devrais manger que ça, parce que le petit chocolat dedans, et en fait, il faudrait que je sois raisonnable. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, à la limite, c'est plutôt ce format-là, qui est un petit peu plus copieux, où on peut en mettre un peu pas mal quand même, hein. Bonsoir, bonsoir. Alors vous êtes comment? Voilà, Séverine, on est d'accord. Il faudrait vraiment que j'en mange qu'un. Donc en fait, il faudrait que j'en mette qu'un seul dedans et que j'en aie pas d'autres dans la maison. Donc, et vous êtes comment? Oui, Estelle, moi aussi je le vois bien confiné, sauf que voilà, j'ai un énorme problème pour Pâques. Normalement, pour Pâques, ma petite sœur viendrait pour les 3 jours. Ah, vous êtes plutôt accro? D'accord. Et mon problème étant que je lui ai commandé des beaux œufs de Pâques avec leur prénom et tout, les petits, etc., etc. Et en fait, bah, ça va pas aller. En fait, pour bien faire, parce que bon, en même temps, comme je dis souvent, j'ai étendu ma surface caressable, c'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit, et ça serait plutôt arrivé par ce style de panier-là, de Pâques, si vous voyez ce que je veux dire. Je me cache derrière, mais quand même, hein, c'est plutôt ce format-là, en fait. Et alors là, si je dois aussi manger leurs 4 gros œufs en chocolat, Ah, vous aussi, c'est difficile de s'arrêter. T'aimes pas les chocolats, Fabienne, mais comment c'est possible? Voilà. Alors, j'ai hésité, hein. Voilà. J'ai vraiment voulu que vous puissiez avoir une petite idée de mon dilemme. Alors, est-ce que ce soir, je suis raisonnable? Est-ce que j'ai. Enfin là, être raisonnable, non, ça c'est être sérieuse. Hein. Je suis sérieuse ce soir avec vous, on fait celui-là. Soit. Allez, on va être raisonnable et on va essayer de mettre beaucoup de papier de soie et pas trop de chocolat. Voilà. Ou soit on n'est pas raisonnable du tout, ou alors on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier de soie et on fait celui-là. Alors. Sylvie, t'es prête à passer m'aider pour les manger. Oh, 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 oh. Quand même. Alors, on fait lequel ce soir? Le grand, le moyen ou le tout petit? Dites-moi. Ça, je saurai si vous êtes raisonnable ou pas.
Alors, je vois le plus grand, le moyen, le moyen. Alors. Bonsoir Christine. J'ai le grand ou le moyen, hein. Pour l'instant, c'est ces deux-là qui sont en compète. Je vais mettre là, vous allez mieux voir. Alors, on peut mettre plus ou moins ici de relief, on va dire. Alors, ton foie n'en veut pas des chocolats? Bah, le mien, je ne suis pas sûre qu'il en veut beaucoup non plus, hein. Et mes hanches, on n'en parlera pas. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Non, Céline, j'ai pas plus grand que celui-là. Déjà, je trouve que c'est un beau modèle quand même, hein. Il y a 20 cm de large, hein, donc on a de quoi faire. Ah, Fabienne, soyez raisonnable. Le petit pour la table. Bravo, Nathalie. Stéphanie, le grand, mais juste pour voir. Le moyen. Bonsoir, Daniel. Céline, tu voulais encore plus gros? Oh, t'es une coquine. Bon. Alors, ce que je pourrais vous proposer à la limite, on fait le moyen ce soir? Oui, Estelle, on va rentrer les bourrelets, c'est ça. À l'intérieur, on va les cacher. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, on fait le moyen, et si vraiment vous étiez super partante, on peut faire l'autre vendredi. Comme ça, vous auriez plusieurs modèles. Celui-là, il se fait en 5 minutes, les filles, hein. C'est vraiment ultra rapide. Bon, je le cache dedans, hein. On va le mettre de côté. Et on va partir sur le moyen pour ce soir. Ça vous va? Oui, le petit pour les invités. Ça peut être sympa sur une table de Pâques, hein. Ou si vous êtes obligé de manger qu'un seul chocolat. Voilà. Alors, hop, je vous tourne de caméra. Donc, on va réaliser celui-ci pour ce soir. Je vous montre donc les papiers avec lesquels je vais partir, puisque j'adore ces papillons. Et que, certes, ça rappelle Pâques, mais ça amène aussi un petit goût de printemps. Et je trouve que ça amène. Voilà, ça nous amène à rêver un petit peu. Bonsoir Rosemonde, bonsoir Yvon. Je vous laisse arriver. Hop, je ne sais absolument pas combien on peut être, tout simplement, puisque comme d'habitude, le arrivé au soir, je n'ai plus de retour caméra. Mais ce n'est pas grave. Heureusement que j'ai mon système OBS, parce que sinon, je ne verrai même pas ce que je fais. Ils vous plaisent tous? Bon, on est parti pour le moyen. Pour le moyen, il va vous falloir une grande feuille 30-30. Alors, on peut le faire avec des papiers un petit peu plus petits, mais il va falloir faire des rajouts. Comme je vous l'ai déjà dit par le passé, pour ceux qui sont habitués à me suivre, j'achète toujours un lot de grandes feuilles 30-30 de chaque collection, justement, de façon à pour certains projets, tels que un mini dans une grande feuille, ou là, un panier ou une boîte à explosion. Il nous faut des feuilles 30-30. Donc, soit vous les prenez en blanc, soit vous les prenez colorés en sachant que nos papiers colorés sont légèrement plus épais. Et je trouve que pour une boîte, ça s'y prête bien. En sachant que le grand, en fait, je l'ai fait en blanc à la base, mais j'ai doublé tous les côtés. C'est parti? Tu voulais mettre la poule et les œufs, Céline? Bah écoute, ce que je te propose, Céline, c'est que tu nous fais un panier encore plus gros, toi, dans ces cas-là, pour un de tes lives. Je ne sais pas si tu savais quoi faire prochainement, mais. Je pense que ça pourrait être sympa. Qu'en pensez-vous, hein? Bah écoutez, je vais le faire en juste jade. Il se marie très très bien avec ses papiers. Hop. Alors, ne vous inquiétez pas, pour chacun, en fait, j'ai un plan. Et donc, j'ai un petit plan pour celui-ci aussi, de façon à ce que vous ne soyez pas embêtés en le faisant. Par contre, j'ai pas pensé à mettre les tailles dessus. Je vais vous le faire tout de suite. Comme ça, vous serez avec moi pour le faire. Avec un stylo, ça serait bien. Hop. Alors, ici, on a 2 cm.
On a ici, on pousse à 10 cm, 20,5 cm et ici 28,5 cm. Voilà. Et on va réaliser ensemble exactement la même chose pour réaliser ce panier de Pâques. Une fois qu'on aura fait ça, en fait, on aura fait pas la plus grosse partie du travail, mais presque en fait. Vous inquiétez pas, vous aurez la photo de ce plan sur internet, sur mon site internet. Si vous avez besoin de l'adresse et que vous ne la connaissez pas encore, elle est tout en bas à gauche de votre écran, les-ateliers-de-sandra.com. Ok ? On est parti ? Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont là encore et qui arrivent. Donc, on va prendre notre coupe-papier. Hop, je vais pousser le projet. Donc, on va faire un premier pli à 2 cm. Les plis qu'on va faire de ce sens-là, on refera les mêmes à l'horizontale donc, et à la verticale. Donc, on se base sur 2 cm. De façon à être bien droite. Hop, je retourne mon papier pour avoir cette fois-ci un espace plus important de fixation ici pour être le plus stable possible. Donc 10 cm, ensuite 20,5 et 28,5. Ok, on refait exactement la même chose de l'autre côté. Donc 2 cm. On retourne sa feuille pour gérer la stabilité grâce au haut de notre coupe-papier. 10 cm. 20,5. Ok. Et 28,5. Il y a une partie qu'il va falloir découper. Moi, je vais le faire au coupe, avec mon coupe-papier. Sinon, et je vais vous remontrer au fur et à mesure. Hop. Vous m'attendez 2 minutes, le temps que je fasse mes découpes, et je vous les montre de façon à ce que vous puissiez tout simplement copier mes plis. Vous pouvez bien entendu les faire grâce à une paire de ciseaux si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe-papier. Hop. Et je vais avoir terminé et comme ça je vais pouvoir vous montrer la découpe exacte à réaliser, que vous ne soyez pas embêté. Avec ce projet. Voilà. On va déjà faire cette partie-là. Donc, je vais garder les 2 cm sur les 4 côtés, les 4 extrémités de mes papiers, sur vraiment les 4 extrémités, vous savez, en croix. Former un plus. Et j'enlève ceux qui sont sur le côté. Ici, je l'enlève également. Les parties que je garde, ça va être les parties en fait qui vont accueillir ici le ruban et qui vont cacher nos collages à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à bien garder ces côtés-là droits.
Prenez votre temps, faites exactement la même chose que moi. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous faire un petit dessin, ça peut être pratique. Ça vous plaît? Alors, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Bonsoir Nadia. Bonsoir Marie. Alors, on fait un panier de Pâques, Marie, et il y en avait trois au choix. Et elles sont gourmandes quand même parce qu'elles ont choisi le moyen. Alors, une fois qu'on est là, en fait, on va mettre sur l'intérieur. Je vais vous montrer avant de coller pourquoi je ne le fais pas tout de suite et le petit ce qu'on doit faire avant toute chose. Une fois qu'on est là, il va falloir qu'on range sur le côté nos petits rebords des extrémités. D'accord? Ces deux-là, sur les extrémités, vont être collés à l'intérieur à chaque fois de notre boîte. De façon à ce que ça fasse un collage propre, on va biseauter donc les quatre carrés qui sont à l'extrémité de notre projet. Hop. On est parti? Quelque chose de simple, hein, vraiment. On biseaute juste de façon à ce que ça se cale bien à l'intérieur de notre boîte et à ce qu'il n'y ait pas un petit morceau qui dépasse sur l'extérieur, pas de notre boîte d'ailleurs, de notre panier. Oui Flo, hein, ça sera mieux quand il sera gagné. Oui, on garde les languettes du milieu, Corinne. Alors, je coupe sur les plis, mais par contre, les extrémités, Marion, il faut les biseauter pour que le collage après soit propre. Alors, moi je retourne juste pour être dans le bon sens par rapport à ma façon de couper. Hop. Raisonnablement accro, Marie-Rose. Est-ce qu'on peut être raisonnable et accro en même temps? En tout cas, pas sur tous les sujets, hein, ça ne va pas être possible. Hein. En fait, je suis raisonnable tant que moi, il n'y a pas de chocolat dans la maison. Tant qu'il n'y en a pas, tout va bien. Je suis raisonnable, je tiens le choc et tout. Mais il ne faut pas qu'il y en ait, c'est le problème. Comme le scrap. Hein. Dans exactement 9 jours, on va avoir... Même pas, on est le combien 9 jours, ouais, dans 9 jours exactement, nous, on va découvrir le nouveau catalogue général. Inutile de vous dire que nous, on ne va pas être raisonnable du tout. On n'a pas envie de l'être quand on les voit arriver, en fait. C'est juste l'horreur. Nathalie, tu les évites, oui, tu les mets chez ta mère pour pas craquer. C'est une bonne idée, hein. Voilà Viviane, il faut se faire plaisir, on est d'accord. Donc une fois que vous avez fait cette partie-là, on est d'accord, c'est pas trop trop compliqué. Le dessin est facile, ça ressemble bien à ce qui est là, hop, dans ce sens-là, vous voyez. Donc là, ce sont les carrés qu'on a biseautés. Ici, là, là et là, on a gardé les... Hop, on va mettre dessus, tant qu'à faire. On a gardé les petites languettes qui vont nous servir pour la déco. Oui, Jessica, il est top comme projet. N'hésite pas. C'est gentil, Laurence. Alors, on finira par en refaire des ateliers, il n'y a pas de raison. Ça va bien finir par se décanter, tout ça. Hop. Donc, une fois qu'on est là, on va s'occuper de coller les petites extrémités donc sur l'intérieur de notre projet. Donc, vous mettez de la colle. Oh, il est tout neuf, ça se sent. Faut pas que j'appuie dessus.
Hop. Je vais en mettre bien le bord ici. Hop. Vous appuyez bien que votre colle prenne. Voilà. Comme ça, ici, c'est bien propre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Christine, t'as mis la carte bleue dans le congélateur pour la préparer. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. En effet, elle va avoir chaud. Je te confirme, à mon avis, je suis comme toi. Mais la vie est trop courte et il faut se faire plaisir. On est bien toutes d'accord. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper, hop, des deux autres côtés. Hop là. Alors, on va mettre celui-là. Je vais mettre celui-là en même temps. Et hop. Allez, on se met bien, on est gentil. Et voilà. Ça tient bien. Donc là déjà, on a fait la base de notre panier. Alors en fait, Françoise, toi pour le papa, il te faut le gros en fait. Hein. C'est le problème. Alors une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de faire toute la petite déco ici, de nos petites bandelettes. Alors moi j'en ai mis 3 de mémoire de 2,5. Tout à fait. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est en mettre au moins 4 de 2 cm de façon à récupérer un peu plus. Je trouve que ça pourrait faire joli 4. Alors, on va faire des petites bandes de papier. Donc là, on va choisir. Hop, j'aime bien modifier un peu, hein, vous me connaissez. Pour le coup, je pourrais repartir sur les petits papillons. Ou alors, on peut partir sur celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Moi, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien les petites taches, en fait. Alors, vous allez partir sur une base de 11,5. Et on va faire des bandes de 2 cm. Oui, Céline, j'ai montré le gros. Regarde. Ouais, ça, c'est... Alors... J'avais proposé d'être raisonnable avec le petit. C'est ce que je devrais manger, 1 ou 2 chocolats, pas plus en fait. Sauf que moi, je vais plutôt avoir envie de celui-là. Donc on est en train de confectionner son petit frère. Mais généralement, je craquerais plutôt pour ce format-là. Qui est quand même costaud. Hein, qui est un beau bébé, un beau panier. Qui contient, qui peut contenir 2 beaux œufs en chocolat assez énormes, hein. Surtout ceux que j'ai commandés pour Pâques. Audrey, viens vite avant que je craque. Voilà. Alors, ils sont beaux, hein. Je me suis amusée à les faire. Donc, j'ai dit 11 et demi et on va faire des bandes de 2 cm.
Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et avec les petites bandes qui sont là, on va pouvoir faire les deux qui nous manquent. Et si on en met quatre de chaque côté, hop. Hello, hello. Tu adores le gros, Céline? Je sens qu'on va me le demander pour vendredi, le gros. Je ne sais pas pourquoi. Une petite... Si jamais vous voulez le faire, il vous faudra toujours donc des feuilles 30-30. Et juste pour la base, il en faut deux, les filles. Donc déjà, on va s'occuper de tout ça. Alors, vous allez prendre votre petite boîte. Vous allez mettre du double face au niveau de la sous le trait de pli. Et vous allez en mettre un tout en haut de votre projet qui servira à plier tout à l'heure. Et on va en poser un dernier juste là en dessous. Et vous allez faire ça sur toute votre boîte. Alors, soit vous mettez là du double face, qui est pour moi personnellement, je trouve le plus pratique. Si vous n'avez pas envie de le faire comme ça, vous pouvez bien entendu mettre de la colle. Il va falloir attendre un petit peu que ça colle. Ou vous pouvez mettre des glue dots sur le haut de votre projet, puisque en haut, on va rabattre l'intégralité de notre petite languette. Oui, je vous connais un petit peu, hein. Plus ou moins même technique, Marie, tout à fait. Vous avez un petit grésillement. Le petit, Corinne, je suis partie sur une base de 14 par 14. Voilà. Alors, attendez, hop, comme ça, ça sera peut-être mieux. Alors. Oh, t'inquiète pas, Marion, il y a le replay derrière. Regarde, hop. Donc, on va enlever l'opercule ici de notre. Voilà. Hein, de notre double face et on va y installer nos petites bandes. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? On va continuer comme ça sur les quatre côtés. Bonsoir Nathalie.
Le son, c'est bon? Il n'y a pas de souci, Sylvie. Surtout que si on fait le gros dimanche, et je vous mettrai les dimensions pour le petit, c'est vraiment tout simple à faire. Toute façon, j'ai préparé un tutoriel pareil, hein, donc il n'y aura pas de difficulté. Je vais en avoir, moi, des paniers avec tout ça. Oh, alors, à peu près un bon demi-centimètre, entre un demi et un. Après, Marion, tu peux ajuster par rapport à si tu fais des bandes un petit peu plus grandes ou pas, de façon à mettre en fait la taille qui te convient. Si tu as un papier très 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 coloré, je te conseillerais de laisser de l'espace entre un petit peu, de façon à ce que ça allège ton projet. Et de mettre, si ton papier est plus léger, de façon à bien couvrir la totalité, de mettre peut-être un petit peu plus de bande. Bonsoir Flo. Voilà. Bon, là, c'est pas mal. On va s'occuper tout de suite de bien les maintenir en appliquant ici notre petit retour de panier. Donc, vous appuyez bien si vous avez mis de la colle que ça tienne et le double face pour que ça s'imprègne bien et à ce qu'il n'y ait pas de souci d'adhérence. On a un beau reflet, hein. Magnifique. On va mettre ça là, ça en fera moins. Hop. J'ai dû enlever ma protection de vitre qui avait pris pas mal de coups. Voyez, ça commence à prendre forme, hein. Et en fait, à partir du moment où on va s'occuper du bas, le panier va apparaître. Et c'est ça, c'est la petite partie que j'aime bien. Ah, j'ai pas de retour flou. Alors là, ça vient pas de moi, ça vient d'Internet. Car je n'ai absolument pas de problème de retour. Par contre, j'ai un problème sur Facebook, en effet. Alors, ça, c'est le panier moyen, Sandrine. Non, j'ai pas pu mettre depuis dimanche les tutos. Tout sera fait normalement demain, les filles. Puisque hier après-midi, j'avais la tête comme une citrouille et que j'ai été profiter de mes enfants. Ensuite, donc en effet, vous n'avez pas pu avoir les tutoriels papier. Donc hop, on remonte. Donc là, ce qu'il faut, c'est prendre une mesure qui vous corresponde au niveau de la hanse. Moi, je laisse environ 2 cm sur le côté et je vais poser mes petites bandes. Et je vais vous montrer de ce pas ce que ça donne. Si elle, elle veut bien se coller. Voilà. Vous voyez, tout de suite, on a notre panier qui commence à apparaître. Ça, c'est la partie que je préfère. Bien entendu, l'arrière sera couverte ensuite d'un morceau de papier design de façon à avoir des finitions propres. Vous me connaissez.
T'avais jamais fait ce style de panier, Christelle. Pourtant, c'est un vieux projet. On est vraiment nombreuses à avoir fait ce style de projet. C'est vraiment le béaba, en fait, des fêtes de Pâques. Voilà. Mais tu vois, Christelle, l'avantage, c'est que c'est résolu. Maintenant, tu vas le faire et tu sauras faire ces jolis paniers. Il est sympa, hein? On voit déjà la forme que ça va avoir. C'est cette partie-là que j'adore en fait dans la création comme ça. C'est que petit à petit, en ajoutant des détails, on voit se profiler le projet et on y prend vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Et ça, c'est la partie que moi, je préfère. Quand le projet se révèle. Ça, c'est top. Alors, il est livré avec les petits œufs. Bah écoute, Sandrine, comment te dire? Fais-le et vois si tu le livres avec ou pas. Bon, si tu es sage, je crois que tu n'habites pas très très loin de chez moi quand même, hein. On peut peut-être faire quelque chose, surtout si j'ai plein d'œufs en chocolat. On va avoir un seul et unique problème, c'est qu'ils vont. J'ai commandé des gros œufs pour mes neveux avec leur prénom dessus. Donc, à moins que vous ayez un Lucas et un Théo chez vous, on va avoir un petit souci quand même. Regardez, ça le fait, hein. Moi, j'aime beaucoup. Et alors, le juste jade, là, j'aime bien. C'est vraiment, ça me plaît. Bouge pas, Coco, je vais te coller. Là, je peux pas le déchirer parce que avec mes gros petits doigts, je vais trop appuyer et je vais abîmer mon panier. Mes gros petits doigts, vous la connaissez pas celle-là encore, hein? Hop là. Voilà. Et maintenant, je vais installer sur le bas. Alors, 10 et demi. Je revérifie toujours, hein, par 10 et demi. Donc, je vais couper un morceau de 10 cm par 10 cm et on va le coller à l'arrière de façon à ce que ça fasse propre. Alors Céline, si tu cherches une démonstratrice dans ta région, le plus simple étant de chercher sur Internet, tu marques, hein, chercher démonstratrice stamping up, tu vas tomber sur le localisateur des démonstratrices et tu auras toutes les démonstratrices les plus près de chez toi. Donc tu n'auras pas de difficulté à trouver quelqu'un si tu as besoin de quelqu'un près de toi. J'appuie bien pour que ça prenne et que ça ne bouge pas. Vous voyez, la finition est propre comme j'aime. Maintenant, on va s'occuper de faire la petite anse de notre panier. Alors, il me faut du papier juste jade. Là, il me reste une chute. Là, j'ai mon petit tutoriel pour le petit panier. Donc ça, vous savez que je l'ai sous la main. Je reviens tout de suite. Hop, je pars avec. Hop. Et voilà.
j'ai été récupérer une feuille. Alors, je vais faire une anse, je dirais, de 2 cm. Pour que ça reprenne un peu les dimensions de nos petites bandes de papier. Je vais mettre dans le bon sens parce que là, ça ne va pas être droit. Voilà. Après, ça va être suivant vos goûts. Est-ce que vous voulez faire avec votre panier une grande ou une petite anse? Si vous voulez une très grande, vous prenez toute la longueur des 29,7. Voyez, et vous faites votre arc comme ceci. À vous d'ajuster par rapport à votre envie, aux enfants à qui vous allez l'offrir ou aux grands-enfants à qui vous allez l'offrir. Alors, moi par contre, j'aime bien que ça soit bien collé. Donc, je vais mettre du double face. Bonsoir Corinne. Et je vais mettre du double face sur au moins 3 cm. Et je vais mettre 3 petites bandes parce que ça reste une anse. Une anse, ça peut être fragile. Et moi, je ne veux pas que ça se défasse de mon projet. Donc, je vous conseillerais de bien l'accrocher. Il y a aussi une autre solution que là, je n'ai pas utilisée, mais qu'on peut utiliser, bien entendu. Avant de refermer ici la anse, vous attachez cette anse ici. Et vous l'agrafez, ce qui fait qu'en rabattant ensuite le petit couvercle, le petit rabat ici, on ne verra pas l'attache de l'agrafe. Ça peut être aussi une solution si vous avez besoin de plus de sécurité sur votre projet. Estelle, il te plaît? Oui, Janine, il y a un replay, c'est fait pour ça, t'inquiète pas. Vous pouvez pas toujours être présente, les filles. Il y a aussi une vie de famille, il y a aussi pour certaines des petits-enfants, il y en a qui ont le travail, il y en a qui, comme moi tout à l'heure, ont fait le repas pour que nos petits bambins, qui sont plus grands que moi maintenant, puissent manger en temps et en heure ce soir. Bizarrement, ça mange bien, hein, ces petites choses-là. Oui, Nathalie, une attache parisienne, pourquoi pas? C'est une excellente idée aussi. Mais il y a vraiment plein de solutions, donc prenez celle qui vous convient à vous. Alors, moi, là, j'ai utilisé des papiers qui mesurent 15 cm, puisque ce sont des carrés de 15 cm. Donc, je ne me voyais pas faire le tour, puisque j'aurais dû faire un rajout. Et je ne voulais pas faire de rajout. Si vous utilisez une autre gamme de papier, bien entendu, n'hésitez pas à rajouter une bande de couleurs sur votre projet. Donc, moi, je vais faire un petit tour. Hop! Avec du double face tout le long. Et devinez ce que je vais poser. Je pense que vous allez toutes trouver. Tout à fait 2 cm par 29,7. Et après, vous mettez un rebord suivant la taille où vous voulez votre anse, tout simplement. Alors, est-ce que vous savez ce que je vais poser maintenant? J'attends 2 secondes. Hé, hey, bravo Viviane, t'as été la plus rapide. J'en ai profité pour boire un petit peu d'eau. Et bien entendu, j'ai ce magnifique ruban juste jade. Alors, je pourrais aussi partir en blanc. Ce qui peut faire joli et qui pourrait trancher. J'ai ressorti aujourd'hui, pour le bleu d'ailleurs, ce que je n'avais pas mis, le ruban, c'est des fleurs de chaque saison. C'est un lot de 3 rubans. Il y a une petite ficelle bleue, en fait. Il y en a un qui est dans les tons verts à carreaux. Et il y a ce blanc. Et je pense qu'en fait, mélanger les deux pourrait être sympa. On est parti. Vous me connaissez bien, hein, du ruban, évidemment. Non, je pense que comme pour le bleu, je vais rajouter un ruban blanc. Hop.
on le centre sur son projet. Ça fait de très belles finitions. Oui, le blanc, ça fait plus joli, ça ressort bien, hein, je trouve. Je pense que si j'étais partie sur un ton sur ton, en fait, on n'aurait pas vu le dessin. Alors que là, ça va être très propre. Franchement, superbe. Alors, je ne l'ai jamais fait comme ça. On va tester. On va voir ce que ça donne. Ça devrait le faire. Hop. Moi et mes rubans. C'est une longue histoire d'amour. Hop. Ben moi, j'aime bien qu'il y en ait deux comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait joli, hein? On va faire pareil de l'autre côté. On mélange les deux. N'hésitez pas à faire des essais comme ça, de mélanger vos rubans. Ça peut être très sympa. Alors des fois, ça donne un effet magnifique. Et des fois, c'est pas réussi. Mais il faut essayer. Franchement, ça aurait été dommage de ne pas le faire. Alors, est-ce qu'il me reste des petits papillons? Soit on va les découper, soit il m'en reste encore un petit peu. Ceux-là, moi, j'aime bien. Alors, c'est toujours ce que j'ai découpé l'autre jour. Hein. Oui, tout à fait, Muriel. On peut aussi en rajouter sur la anse. C'est pas un problème. Mais je voudrais d'abord positionner des papillons et voir ce que ça donne. Christelle, j'ai fait un nœud en les tenant ensemble en fait. Au lieu de faire un nœud comme je fais souvent avec juste un ruban, j'ai maintenu les deux rubans l'un avec l'autre et ça s'est fait tout seul. Hein. Honnêtement, je l'ai fait là en direct, j'ai pas eu de difficulté à le faire. Si tu as besoin, je peux le refaire devant toi. Ça ne me pose pas de problème. Oui, hein, ces petits rubans, ça fait toute la différence, je trouve aussi. Donc, Christelle, regarde. J'ai pris mes deux rubans que je les ai mis l'un avec l'autre, comme ceci. Hop, j'ai fait une oreille, deux oreilles de lapin.
J'aime bien faire celui-là, il est vraiment pratique. Et là, pour le coup, il se mélange bien. Alors, bien entendu, là, j'ai pas pris assez de marge. Voilà, hop, pour être à l'aise. On fait le nœud comme si on n'en avait qu'un, mais on maintient les deux ensemble. On ajuste la taille de son nœud. Et voilà. Tu vois? Et les deux sont ensemble. Oui, c'est vraiment adorable avec les petits papillons comme ça. C'est vraiment une collection qui est chouette. Et on peut rajouter ici une petite anse là. Hop. Je ne sais pas s'il me reste un petit peu de papier de soie. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez, c'est pas joli tout ça? On a fait un très joli panier qu'on peut offrir. On n'a pas honte puisque le dessous comme le haut est super joli. Regardez, on va mettre un petit peu hop, de papier de soie tout de suite. Ça donne une autre vision de notre projet. Franchement, moi j'adore. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Ça donne envie, hein? Donc voilà, on a réalisé ensemble ce soir un panier de taille moyenne pour Pâques. Donc envoyez-moi vos envies, mais si vous êtes plusieurs à avoir envie de faire le gros panier, c'est ce qu'on fera vendredi ensemble à 14h. Ça vous va? Oui, c'est simple à faire. Franchement, les filles, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est pas compliqué, vous m'avez vu faire en direct, vous regardez en replay, enfin, vous vous mettez même sur YouTube ensuite et vous faites des pauses quand vous avez besoin et vous pourrez faire exactement la même chose sans aucune difficulté. Non, Céline, on ne fait pas le gros maintenant, ça va faire une heure qu'on est ensemble. Il y en a qui travaillent demain et elles vont aller se reposer. Eh oui, c'est moche, hein, je sais. Mais on se revoit vendredi par contre, à 14h. Et dans ces cas-là, si vous êtes plusieurs à me le demander, on fera le gros ensemble. Et en tout cas, je vous donnerai... bon, à la limite, on aura peut-être le temps, par contre. Et je prévoirai de vous faire le petit. Vous allez voir, c'est très, très simple. Et ça fait une très jolie petite décoration pour Pâques. Et c'est vrai que si on a la chance de pouvoir recevoir à Pâques, ça fera des petites décos très sympas à la maison. Et si jamais on ne peut pas recevoir, décorer quand même. Parce qu'à la limite, ça amène un petit peu de baume au cœur et de scraper, ça nous fait du bien au moral. Donc, n'hésitez pas à prévoir vos décorations pour Pâques. Ça fait de jolies petites décos. Et vous voyez, même ma fille aînée qui n'est pas rose du tout, elle aime bien celui-là. Franchement, il lui plaît. Il est léger, les tons de rose sont petits. J'ai pareil ici mélangé les deux rubans et ça matche bien. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, le live se termine pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur Facebook si vous passez ici pour la première fois. N'hésitez pas à aller mettre des petits j'aime aussi. Ça me fait du bien et ça me fait plaisir. On aime ça, être aimé. On est toutes pareilles. Hein. Quoi donc. Hop, comme ça, je vous vois, c'est vachement mieux. Sinon, oui, vous pouvez le refaire pour les maîtresses, là, pour Pâques, ça peut être des très, très bonnes idées, Estelle. Donc, je vous ai parlé de ma page Facebook, ma page YouTube et, bien entendu, mon site Internet. N'hésitez pas à aller vous abonner de façon à ne rien louper des lives. N'oubliez pas le code hôtesse du mois. À partir de 50€ d'achat, vous recevez, en utilisant donc ce code hôtesse sur ma boutique en ligne, vous recevrez une petite enveloppe surprise de ma part. Oui, Muriel, je vais mettre toutes les dimensions sur mon blog. Le tutoriel est prêt. J'ai trois articles à mettre à jour puisque j'ai trois tutos à vous transmettre. Donc, je vais essayer de tout faire demain. Ok?
S'il manque quoi que ce soit, bah, vous savez où m'appeler, vous savez où me joindre. Des fois, je ne peux pas répondre tout de suite au téléphone, ça arrive, mais n'hésitez pas à me laisser déjà un petit message et j'y répondrai dès que possible. Ça vous a plu, mais je suis enchantée. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine. Prenez soin de vous et puis bah, à vendredi. Bye bye!